Salut tout le monde, c'est Kersha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas un archosaure, mais bien une découverte de livres. Et oui, et cette fois je vous en ai parlé en live. On partira sur un livre que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas encore terminé, mais vous allez voir que c'est pas très grave pour la vidéo. Car le livre dont nous allons parler aujourd'hui, hop, c'est bien celui-ci, c'est Des paléontologues de A à Z. Alors donc, je vais vous parler tout d'abord de la description du livre. Donc ce livre est paru en octobre 2017, il fait un total de 456 pages, il a été écrit par Mireille Gaillet et Claude Babin, il est disponible aux éditions Ellipse et vous pouvez le trouver dans les environs de 30 €, moi je l'ai payé à peu près ce prix là, donc voilà pour la présentation du livre. Alors donc ce livre, pour le décrire un petit peu, c'est un dictionnaire des paléontologues. Donc reprenons la majorité des paléontologues, mais comme vous allez pouvoir le voir dès la préface, c'est expliqué, il y a plus d'informations sur les paléontologues français que sur les paléontologues par exemple allemands ou américains, du fait de la disponibilité des données biographiques, car en effet il est plus simple de se renseigner sur les paléontologues français pour ce livre que d'aller chercher dans les archives américaines ou allemandes. Alors donc par contre ne vous attendez pas à retrouver tous les paléontologues que vous connaissez dans ce livre, car j'en connaissais quelques-uns qui n'étaient pas dedans, bon bien sûr qui étaient connus avant 2007 sinon ça compte pas, hein. Mais par exemple Ronan Alain, Jack Horner ou Philippe Taquet n'étaient pas présents dans ce livre, donc ça me paraît quand même assez bizarre, mais surtout que Ronan Alain et Philippe Taquet sont français. Donc voilà, je vais pas passer directement au point négatif et positif. Mais voilà, ne vous attendez pas à trouver tous les paléontologues, il y en a déjà énormément, mais ils sont pas tous. Bon, par contre, niveau historique, c'est vraiment une mine d'informations incroyable. En passant par Cuvier, Owen, Agassiz, il y a vraiment énormément de grands paléontologues et de paléontologues peu connus. Donc, si vous aimez l'histoire et donc l'évolution de la paléontologie au fur et à mesure du temps, vous n'allez pas être déçu avec ce livre, qui est vraiment une information incroyable. De plus, ce livre se concentre sur les paléontologues, donc, mais pas que sur les paléontologues des croyances populaires, hein, donc juste ceux qui découvrent des dinosaures. Il y a aussi beaucoup, il y en a plus que ceux qui parlent de dinosaures, il y a beaucoup de paléontologues qui s'intéressent aux briozoaires, aux reptiles marins, hein, reptiles marins, c'est paraphylétique, ou bien par exemple aux bêtes du Cénozoïque. Donc ne vous attendez pas à retrouver que du dinosaure dedans, déjà ça serait, c'est pas bien, c'est que ça. Mais vous allez vraiment être surpris par beaucoup de découvertes dedans, donc de choses qui sont pas connues, et en plus les articles sont cités, donc les articles ont été publiés, donc vous allez pouvoir vous-même consulter les articles. Bon, souvent ça peut être en anglais ou en allemand, hein, donc bon courage, mais c'est déjà super. Donc vous avez les articles et vous avez en plus des vignettes explicatives ou bien des planches anatomiques qui ont été faites par le paléontologue. Donc en plus c'est assez bien illustré, ça c'est un bon point. Alors hors les biographies, on peut retrouver aux pages 438-439 une échelle stratigraphique simplifiée, bon, qui est obsolète maintenant, car par exemple elle fait commencer le Jurassique il y a 205 millions d'années, alors qu'en vrai c'est 201 millions d'années. Ou le Crétacé qui est commencé il y a 140 millions d'années, alors qu'en vérité c'était 145. Mais donc faut pas se fier à cette échelle stratigraphique, mais c'est quand même bien de l'avoir mis. Elle est simplifiée, donc ça vous permet déjà d'avoir des bonnes bases, donc de connaître les sous-étages par exemple. Donc c'est pas une mauvaise idée, mais bon, faites attention quand même aux petites erreurs qu'il y a dedans. Donc en plus de ça, on peut retrouver un glossaire qui reprend les grands termes du livre qui vont revenir. Mais la plupart sont, bah, comme dit dedans, tirés du Robert 2002. Donc n'hésitez pas à refaire des recherches, parce que déjà peut-être les définitions ont été actualisées encore une fois. Et vaut mieux se fier à des ouvrages scientifiques. Alors donc on va commencer avec les points négatifs du livre. Car il y a plus de points positifs. Donc déjà le fait qu'il y ait de nombreux paléontologues assez connus en plus qui ne soient pas dedans, donc notamment les paléontologues chinois, il n'y en a pas énormément, notamment les plus connus ne sont pas dedans, donc c'est assez dommage,
Surtout qu'ils étaient connus déjà en 2007, hein, Ronan Alain, déjà c'est 2005 pour le Dubreuilosaurus. Mais c'est ça qui est bizarre. Peut-être que le contexte d'écriture fait que, mais bon, ils auraient peut-être pu être rajoutés. Mais c'est pas grave, bon. On a déjà beaucoup de paléontologues, donc ça aurait fait peut-être un peu beaucoup, mais au moins on aurait eu un truc assez complet. Donc reste plus qu'à attendre une réédition pour peut-être avoir les nouveaux paléontologues. Mais hors de ça, donc le fait que date oblige, il y a des informations qui sont obsolètes. Notamment pour, comme je vous l'ai montré sur l'échelle stratigraphique. Mais moi je pars du principe que, alors attention, je m'excuserai, hein, mais on doit faire quand même des recherches à côté du livre. Toujours vérifier les informations, aucun livre n'est gage d'aucun défaut. Hein. Il y a toujours des petits défauts dans le livre, sauf pour certains. Hein. Voilà, donc voilà pour les points négatifs de ce livre. Passons maintenant aux points positifs du livre. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus déjà. Alors déjà, la mention de paléontologues peu connus. Je vous avoue, il y en a énormément, ouais, forcément. Il y en a énormément que je connaissais pas, donc c'est toujours bon de le savoir. Surtout qu'il y en a qui ont fait des choses importantes, mais on ne le sait pas. Hein. Donc il y a déjà ça. On peut aussi voir le fait que les mentions des découvertes sont faites dedans. Bon, pas toutes, parce que en paléontologue aurait découvert 60 dinosaures, ils vont pas mettre les 60 dinosaures dedans. C'est logique. Mais la plupart des découvertes sont données dedans, donc que ça soit... le fait qu'il ait découvert un squelette de dinosaure quand il était jeune, ça lui a donné envie de devenir paléontologue. Il s'est plutôt branché après dans les brachiosauriens, etc. Donc c'est assez bien incorporé, les biographies sont assez fluides. On s'ennuie pas quand on les lit, c'est vraiment ultra cool à lire. Même si c'est du condensé de biographies, donc vous allez lire que des biographies. J'ai déjà lu presque 200 pages de biographies. Je vous avoue que j'étais pas lassé à la fin, donc je le finirai certainement quoi qu'il arrive. Mais voilà déjà pour ça. Alors donc aussi il y a le fait que ça reste le plus scientifique possible. Donc on a beaucoup de mentions de termes scientifiques assez poussés quand même pour certains. Le fait aussi que les articles, donc les publications scientifiques sont cités. Donc on a tous les articles, les principaux articles faits par les paléontologues. Donc vous pouvez après les retrouver sur internet. Hein, ça, il n'y a pas de problème, c'est pas très compliqué. Donc il y a ça, le fait que maintenant, enfin pour le moment en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, en avril 2020, à ma connaissance, c'est le seul qui répertorie des paléontologues comme ça. Bon, je crois qu'il y en a aussi pour les géologues qui condensent géologues, paléontologues. Mais niveau paléontologue, pour moi, ça reste la référence pour le moment. Donc un livre à posséder pour ceux qui s'intéressent à la paléontologie. Et voilà, c'est toujours intéressant, pour moi en tout cas, de connaître les paléontologues, car ils sont souvent éclipsés par leur découverte, comme je l'avais dit dans un précédent Arcosaur. Essayez de vous intéresser un petit peu à eux. Vous allez voir qu'ils ont des semences souvent atypiques. Il y en a souvent qui viennent même pas du domaine scientifique. Il y en a qui s'y intéressaient et après qui ont fait leur métier. Donc c'est vraiment super intéressant, ça montre que la paléontologie n'était pas à la base un chemin tout tracé, ça vient souvent d'autre chose. Et si je devais donner une note à ce livre, j'ai déjà réfléchi, hein, je partirais sur un 7,5 sur 10. Bon, le fait que les informations sont un petit peu obsolètes pour certaines, je peux pas leur en tenir rigueur, mais le fait qu'il y ait certains paléontologues absents m'a un petit peu gêné. Et voilà, après il y a aussi le fait que certains n'ont pas énormément de biographies, mais bon, ça c'est dû aux données comme je vous le disais au début. Mais voilà, donc un livre très sympathique. Bon, c'est un bon gros pavé encore. Ça va encore. Donc 456 pages, ça va encore. Mais voilà, donc si vous avez 30€ et que vous intéressez à la paléontologie, c'est un livre que je vous conseille fortement. Et ça sera plutôt un livre où vous irez piocher des informations. Dès que vous rencontrez un paléontologue, vous allez voir dans ce livre, voir ce qu'il a fait un petit peu. Ce sera pas un livre de chevet pour la plupart des gens. Moi j'ai été assez cinglé pour l'utiliser comme livre de train. C'est pour ça qu'il est un petit peu abîmé ici, hein, force d'être dans le sac. Mais voilà, ce sera tout pour ce livre là. Le prochain livre qui sera fait, je l'ai pas encore en tête.
parce que ce sera le prochain que je finirai. Donc j'ai un petit peu une idée, mais à voir lequel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'Arcosaur qui est sorti juste avant sur l'Ocasaurus. Sur ce, je vous invite à revenir sur les lives, hein, comme vous avez déjà dit, le soir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps.